Eh bien, nous allons découvrir ensemble Oran l'artiste à travers le jeune compositeur Yassine Khaddaoui. Bonsoir. Bonsoir, Iman. Ça va? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Très bien. Alors, quelles sont les nouvelles de Yassine Khaddaoui? Alors, les nouvelles, ben, il y en a plein. Ça dépend sur quel Justement, vous en avez fait beaucoup de choses. Hein? Oui, exactement. Ben, sur le côté artistique, bien sûr. Oui, le côté artistique, ben, je prépare un nouveau cover. C'est-à-dire, je vais reprendre un tube international, je vais le revisiter avec des sonorités orientales pour essayer de véhiculer un petit peu nos valeurs et notre culture à travers la musique. Le clip, l'endroit du tournage sera tenu un peu secret pour faire un peu de suspense. Non mais attendez, parce que vous avez une manie de trouver de jolis sites, on va dire naturels, oui. Mais du côté d'Oran. Oui, c'est Alors, ça. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est toujours du côté d'Oran? Eh bien, cette fois-ci, pour la première fois, je vais sortir d'Oran. Au fait, à travers mes anciens clips, j'avais montré un petit peu tout ce qui est patrimoine oranais. J'étais aussi surpris de voir qu'il y avait mes vidéos qui étaient regardées à travers le monde. Donc j'ai eu pas mal de messages envoyés, la même question qui revenait, où est-ce que tu as tourné tes clips? Et c'était avec grand plaisir que je disais que c'était à Oran, en Algérie. Et c'est comme ça qu'on fait découvrir son pays. Donc la prochaine fois, disons que je vais aller un petit peu dans le Sahara, pour un petit peu aussi, montrer un petit peu le relief... du sud. Exactement. Voilà. Là, je reviens justement vers les instruments de musique que vous jouez. Déjà, alors, Yassine Khaddaoui a choisi un rare instrument de musique, si on peut dire que vous êtes le seul en Algérie, à jouer au bouzouki grec. Mais pourquoi avoir choisi cet instrument? Le bouzouki grec, c'était une curiosité musicale parce que j'adore explorer d'autres horizons. Et lors d'un voyage en Turquie, je me disais qu'il me fallait un instrument qui ait une identité, une âme orientale, mais en même temps qui puisse sonner un petit peu comme la musique des Balkans, tout ce qui est Azerbaïdjan, tout ça j'adore. Musique iranienne par exemple. Et là, c'était la rencontre avec l'instrument, le bouzouki. J'avais essayé plusieurs bouzouki, au fait. Mm-hmm. Et là, au bout du sixième bouzouki, même le vendeur, un marchand turc, m'avait demandé « Depuis quand vous jouez du bouzouki ?» J'ai dit que c'était depuis 10 secondes. Nouveau. Parce qu'il a justement senti qu'il y avait une symbiose avec l'instrument. Et c'est là où j'ai pris le bouzouki. Et j'ai décidé de m'en servir pour... exporter un petit peu nos valeurs algériennes. Voilà. Alors, et quand vous êtes rentré en Algérie, quand vous êtes venu à Oran justement, donc vous avez tout de suite, vous vous êtes mis au bouzouki? Oui, c'était automatique. Déjà, j'avais commencé à en jouer en Turquie lors de mon voyage. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'essaie un truc nouveau. C'était quoi? C'est de marier les sonorités orientales avec l'Occident, ce qui se fait maintenant dans la musique pop et tout. Pour aller vers un plus large public et dire que voilà, on est là, l'Algérie est là. Mais Yassine Khaddaoui est connu pour le jazz. Oui. Vous êtes un jazzman. Effectivement. Au fait, une des nouvelles, c'est que je m'apprête, Inch'Allah, j'espère, de faire venir mon groupe. C'est un quartet de jazz, au fait. Mm-hmm. Il y a un Italien, un Français et un autre étranger aussi qui est à la batterie. Je vais les faire venir, Inch'Allah, à Oran pour faire notre premier concert jazz. Inch'Allah. En octobre, normalement, mm-hmm. si tout se passe bien. Et là, récemment, on a joué ensemble en France et tout. Ça s'est très bien passé et on s'est dit pourquoi pas essayer ça en Algérie, donc j'espère que ça va marcher aussi. Et pour toujours rester dans les nouvelles, je prépare aussi une conférence qui a un lien culturel au fait.
Et puisque je suis un petit peu influencé par la santé et la musique. Justement, oui. Voilà, donc le titre de la conférence... Parce que vous êtes gestionnaire. Voilà, je suis manager dans la santé. Voilà. Et le titre de ma conférence, ce sera la réanimation civilisationnelle. Comment réanimer notre patrimoine afin d'aller vers l'avant. Voilà, donc c'est exactement. Ça. Exactement. Voilà. Donc ouais. Je reviens toujours vers Yacine et bien sûr ses reprises. Alors, comment vous faites la sélection des reprises? Alors, les reprises, en fait, ça dépend. Il y a des morceaux qui me parlent et d'autres non. J'essaie vraiment d'écouter avec attention et si ça ne fonctionne pas avec, avec ce que je veux, avec le bouzouki justement. Le bouzouki finalement c'est un instrument très exigeant, donc il n'aime pas côtoyer des sonorités quelconques. Donc le challenge est là, c'est vraiment de toucher le public, que ça soit vraiment surtout la sincérité de l'artiste. Donc c'est ça qui touche. Moi ce que je cherche c'est l'émotion, c'est pas la démonstration. Donc voilà, j'espère y arriver cette fois-ci encore. Et... Ben certainement, puisque vous avez fait une très belle reprise. C'est ouais. La reprise de Louane. Oui, si t'étais là, le morceau. Ça... Si t'étais là. Et j'avais montré Bouzejar et tout le. Justement. Alors pourquoi avoir choisi ce morceau-là? Ce morceau-là, parce que justement, c'était un morceau très mélodique. Et en essayant ça au bouzouki, ça a été encore plus mélodieux et mélodique que le morceau original. Et des fois, en écoutant de la musique instrumentale, vraiment, ça apaise beaucoup. Au fait, une fois, juste pour l'anecdote, j'avais reçu un appel d'une femme médecin à Tizi Ouzou qui m'a dit qu'elle utilisait ma musique pour ses patients et que si je pouvais en faire d'autres aussi. Et du coup, ça fait plaisir. Moi, je me suis dit, puisque ça sert à ça, je suis conquis. Donc, c'est bon. Oui. Très bien. Alors, on revient aussi au morceau que vous avez joué tout au début de l'émission. Oui. C'était Hmema de Blaoui Houari. Alors, Hmema, vous l'avez, on va dire, retravaillé à votre sauce. Je l'ai jazzifié, si on peut dire. Exactement. Comment l'idée vous est-elle venue? Au fait, moi j'adore le jazz. Pourquoi j'adore le jazz? Parce que c'est une musique très ouverte. Il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'improvisation. C'est pas très, limité. Voilà, limité. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas reprendre quelque chose du patrimoine oranais, notamment Blaoui Houari. Et ça a fonctionné avec ça. Au fait, c'est pas n'importe quel morceau qui peut être transformé. Ou bien revisiter. Justement, comment vous avez su que c'était cette chanson que vous deviez la faire à votre convenance, on va dire? Tout simplement, j'ai pris ma guitare et j'ai essayé quelques séries d'accords jazz. Et je me suis dit, ah tiens, Hmema, ça accroche. Sur d'autres morceaux, non, mais sur Hmema, si. Et je l'ai publié au fait sur les réseaux sociaux. Au bout d'une semaine, il y a eu 20 000 vues et tout. Donc, j'étais vraiment très, très surpris et aussi satisfait du résultat. Alors, et quelles sont, on va dire, les chansons sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement, mais tirées du patrimoine algérien? Actuellement, déjà, il y a une reprise de Ahmed Wahbi aussi, que je vais reprendre aussi. Il y a Oharan que j'aimerais bien faire. Au fait, tout le challenge est là, c'est qu'en ramenant mon groupe de jazz, je vais leur proposer les partitions oranaises et je vais leur laisser la liberté de réadapter ça au jazz. Parce que c'est un autre résultat quand il y a le son de la contrebasse, le piano et la batterie en live, ça donne autre chose. Ça donne autre chose. Ah oui, parce qu'eux, ils restent dans leur identité jazz occidentale. Moi, je reste dans mon identité orientale et algérienne. Et c'est ça la vraie recette au fait que je voudrais faire partager avec les autres ici lors d'un concert, c'est de faire réunir les deux courants musicaux et de transmettre ça. C'est que vous avez accompagné des grands, d'ailleurs. Oui, pour avoir chance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, de votre, on va dire, de votre collaboration avec des grands noms de jazz? Au fait, une fois j'ai joué à New York aux États-Unis. Là, c'était carrément... Justement, je voulais arriver à ça. Oui, c'était un défi personnel. Moi, j'étais presque en pèlerinage musical à New York, parce que j'adore la ville et le jazz qui y vit. Et j'avais pris ma guitare. Au fait, à la base, j'allais dans un club de jazz pour écouter du jazz seulement. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ma guitare quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer. Effectivement. Voilà. Il s'est passé des choses alors. Exactement. Donc du coup, en rentrant dans un grand club de jazz très connu là-bas, à Broadway, c'était à Broadway au fait. Il y avait une jam session. La jam session, c'est quoi? C'est là où se rejoignent tous les musiciens pour improviser ensemble. Et il n'y avait que des pointures du jazz. Et avant qu'ils ne viennent, moi j'étais seul. Donc il y avait le pianiste attitré du club
m'avait demandé de rester sur scène parce que j'avais juste gratouillé un petit peu. Il m'avait dit, vous continuez jusqu'à ce que la jam session commence. Donc j'étais en train de jouer, il y a eu des applaudissements et tout. Et à un moment, il y avait la grande star qui s'appelle Eric Lewis, c'est un pianiste de jazz, qui avait joué une semaine avant pour le président Obama qui était président. Et là, en le voyant, il y avait des chuchotements et tout. Moi, je ne connaissais même pas son nom parce que je ne connaissais pas très bien. Et il y avait Eric Lewis qui rentre. Donc, moi, j'ai demandé qui c'est, mais ils m'ont dit, il vient de jouer à la Maison Blanche. Donc, j'étais un petit peu impressionné. J'ai laissé poser ma guitare et je voulais m'enfuir un petit peu. Il m'a retenu. Il m'a dit, tu restes jouer avec moi. Donc, on a joué ensemble. Et c'est là, c'était à la fin, bon, j'étais ébloui par son jeu. Très, très, c'était un virtuose. Et je lui ai dit, vous jouez vraiment magnifiquement bien, c'était un honneur de jouer avec vous. Il m'avait aussi complimenté sur mon jeu. Donc, et c'est là où j'ai pris confiance en moi. Ensuite, j'ai enchaîné avec des festivals de jazz à La Rochelle, où j'étais nommé ambassadeur pour l'Algérie, de jazz pour l'Algérie, du festival. Et c'est là où j'ai fait des rencontres avec de grands jazzmen qui m'ont un petit peu accepté dans leur cercle très restreint. Très restreint, oui. Voilà, oui, c'était ça. Alors là, c'est que on va aborder un sujet d'ailleurs d'actualité. Donc, Oran et les Jeux méditerranéens. Oui, ben, on est très très content que ça se passe ici à Oran. Oui. De toute façon, Oran a un fort potentiel d'ouverture sur la Méditerranée, sur le monde. Et pour moi, c'est pas anodin, c'est vraiment tout à fait naturel que ça soit à Oran. Je le dis un petit peu par jalousie de notre ville, oui. Mais en même temps, c'est une évidence que ça soit à Oran, parce que Oran, elle est portée sur le monde. Elle a toujours été une ville très riche en histoire. Et c'est vraiment là, c'est la cerise sur le gâteau. J'espère qu'il y aura d'autres, pourquoi pas, les Jeux Olympiques un jour à Oran. Pourquoi pas, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Très bien, donc on arrive à la fin de notre émission. Et on se quitte, chers amis téléspectateurs, en musique. Et c'est toujours avec une très belle chanson et une reprise instrumentale de Yacine Khaddaoui. Mais cette fois-ci, c'est, je vous laisse le soin de l'annoncer. C'est Zabana de Blaouil Houeli, toujours. Et de Beyliena, c'est ça. Voilà, exactement. Très bien, donc on commence, okay. Vous commencez. Tout de donc, suite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Canal Algérie. Bonne soirée.